Salut les abonnés, nouvelle sortie de détection en forêt. Voilà. Je suis avec Mister M. C'est toi qui m'as laissé ? Ouais, ouais, juste ses jambes. Non, là, je suis avec Houssine. Salut ! Oh, oh, de me filmer. Non, j'ai... Voilà. Ah, les amis, hein, bien. Voilà. Sorti en forex. Forex ? Ouais. Voilà. Forêt. En fait, je ne filme pas parce qu'il y a Mister M, il ne faut pas qu'on le filme. Ah ouais, voilà. Donc écoutez, bah, qu'est-ce qu'on va faire, on va rallumer, du moins je vais rallumer dès que j'ai quelque chose, hein. Ouais, ça marche. On va taper là-dedans et puis on verra bien. Allez. Deus. Tous. Tous AND. Tous. Allez, on y go. Tous. Allez. Premier objet pour moi. J'ai un tout là-bas. J'ai Houssine qui est juste là-bas, derrière l'arbre. Et Mister M qui est juste là-bas. Et donc là, je viens de faire un premier trou. Première cible intéressante. Voilà. Alors pour l'instant, j'en ai aucune idée. Voilà. Mise au point. Avec les deux petits picots qui se trouvent ici. Voilà. Peut-être un reste d'éléments de ceinture, demi-cin ou je sais. J'en sais pas plus. En tout cas, c'est médiéval, hein, ça c'est sûr. Allez, je reprends la prochaine trouvaille. Tchuss. On a une nouvelle cible pour moi. Mister M et Houssine, je sais pas où ils sont. J'en sais rien. Ouais, ils doivent être dans les hauteurs vers là-haut, je suppose. Et donc là, bon, bah, comme vous pouvez voir, ils flottent. Hein. Et là, j'ai une nouvelle cible, juste ici, rien d'exceptionnel, un bouton. Voilà. Peut-être il y a des coups derrière, on verra ça à la suite, hein, nettoyage. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi, après le bouton qui se trouve vers en bas, là. Donc j'ai remonté toute cette pente. Et juste là, un bouton à même le sol. Hein. À même le sol. Voilà. Grâce au nettoyage. Il y a des restes, mais je pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Allez. Nouvelle cible pour moi. Donc là, Mister M et Houssine, je pense qu'ils sont vers là-bas. Parce que moi, je viens de là-bas. On vient de là-bas, en fin de compte. On a remonté juste le petit chemin. Donc j'ai fait tout ce coin. J'ai fait une douille. Et une merdouille qui était vers là-bas. J'ai remonté vers là-haut parce que ça monte. Hein. Et donc là j'ai une nouvelle cible et je pense que c'est encore un bouton. Là c'est encore dans la motte. Viens voir ce que c'est. Ouais, c'est ça, ouais. Encore un bouton. Ouais, un bouton en tombac. Nickel, il y aura peut-être des décors dessus. Super. Attendez, on va faire une petite mise au point. Voilà. Voilà, petit bouton en tombac. Il y aura peut-être des dessins dessus. Ok, c'est cool. Allez, à la prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle cible pour moi. Houssine est juste là-bas. Et donc là, j'avais une cible à quoi, 17 cm. Et je viens de la sortir, regardez ce que c'est. Je pense qu'elle reste dans un signe. Avec quelques petites décos dessus. Voilà, on verra ça au nettoyage. Hein. Je sais pas si c'est un signe ou je sais pas, une déco. Aucune idée. Oh, une tête de lapin, c'est bizarre, il y a une croix. Voilà, donc si vous avez une idée, il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser un com. Hein, allez. Et s'il n'y a pas de nouvelle trouvaille, ça sera cet après-midi parce qu'après, top là à la fin. Allez, tchuss. Bon, ben voilà. Après un bon repas à la maison. Donc là, on a changé de chambre avec Houssine. Là, et Mister M, il est juste là-bas. Et donc là, j'ai un premier son ici. À peine arrivé, premier trou, premier son. Donc là, on va voir ce qu'on a là. On va peser. Hop là. J'ai un bon sur.
un vis à 1,44. Et on va voir ce qu'on a là. Hop là. Hop là. Ah, bah c'est déjà sorti. C'est là. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là? Oh purée. 25 centimes d'une d'or. Et aussi. Centimes ligne d'over. Voilà, lindo. 1924. Putain, ça c'est de la lindo. What the fuck. Ah ouais. C'est le roi de la lindo celui-là. C'est qui le roi de la lindo? C'est toi. Ouais. Non, c'est qui le roi de la lindo sur YouTube? Je sais plus. Putain, c'est bon, qui... écoutez, vous allez me dire en commentaire qui c'est qui est le roi de la lindo sur YouTube. D'accord. C'est le pote à Oscar. C'est le pote à Oscar. Ouais, Oscar 67. C'est ça. Ouais. S'appelle. Je m'en rappelle plus. Bon bah écoute, celle-ci je te la dédicace Oscar, elle est pour toi. Voilà. Ça c'est de la monnaie. Allez. Allez. On allume. Hein, ouais. C'est de la grosse lindo. En plus c'est une belle patine, hein. Ça va. Nickel. Super. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Oh ouais, fais-moi kiffer. Coupe-moi un morceau. Oh ouais, t'es trop beau. Ça pique. Ouais, première trouvaille et... première trouvaille pour moi, je n'en ai jamais fait. Regardez, pierre à silex, magnifique. Et là j'ai Mister M tout à l'heure qui a fait une revue 1791, et aussi une qui a fait quelques une monnaie, je crois une 50 centimes ou un franc en chambre du commerce. Bon, pour un franc couteau et je sais plus quoi encore. Et là franchement je suis vraiment content. Franchement je suis vraiment content parce que c'est la première fois que j'en fais. Ouais. En général il n'y a pas le pont. Mais là franchement un petit top. Nickel. Super content. Franchement. On va dire que c'est ma plus belle trouvaille d'aujourd'hui. Je suis vraiment content. C'est cool. Allez, je rallume dès que j'ai une prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi. Après Mister M et où ce qu'elle là-bas. Donc là j'ai un nouvel objet, nouvelle monnaie, nouvelle monnaie. Regardez, super, regardez comme c'est beau ça. Franchement, nickel. On va juste voir de l'autre côté. Hop. Super, encore entier, nickel. Ce que je vais faire, je vais pas le frotter celui-là. Parce que franchement, c'est fragile. Magnifique. Super. Nickel. Hyper content. C'est une bonne sortie quand même. C'est cool. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Tu vas où toi? Petit gris-gris. Voilà. Il est beau lui. Les amis, petit compte rendu, fin de sortie. Ah quoi. Bonne sortie. Ouais, ça peut aller. Ouais, si, on va dire ça va. Il y a eu mieux. On commence par la taupe. Taupe là. Un petit ring fence. Faut pas changer. Une petite déco ou... là. À 25 cents lindo. Allez, ça va de l'autre côté en plus, putain, fait chier. Ouais. Petit module. Petit module, ouais. Type petit module. Ouais, à côté du. Ouais. À côté de la pomme, si tu veux. Yes, une belle lindo là. Ce petit élément de déco. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, dédicace à Oscar, la lindo. Là, un petit percuteur là, en silex. Avec du plomb dessus. Époque. Je sais pas. Donc là, un petit bouton Revo, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Magnifique. Avec de jolis restes. En plus, il est entier. Cool. Un bouton. À nettoyer. Encore un bouton. Un petit bouton Tombac.
Et puis ben, le reste d'une attache ou d'un truc. Bon, pour Manu, on a fait du militaria, Manu. Putain, ça c'est une fusée, hein, c'est ça que tu m'as dit. Fusée roquette, ouais. Il y en a qui sauront mieux que moi. Même. Ouais, les amateurs de militaria, si vous pouvez nous aider. Ah, c'est assez gros. Hein. Donc, pour les boucles, regardez-moi ça, magnifique. Petite boucle là. Jolie pour les monnaies. Chut. Hop, un franc. On a du royal à nettoyer. Hop. Et puis là, ça que. Tu l'as déjà gratté ? Ouais. Tu as gratté un peu. Elle est belle. Elle aura des jolis restes. Là. De ce côté, il faut voir aussi. Elle va être jolie, je pense. Jolie. Petite médaille religieuse. Voilà, nickel. Et puis pour moi. Voilà. On va commencer par les boutons. Hop. Les petits boutons là, un petit bouton en plomb ici, un petit bouton à grenade, un petit bouton peut-être prussien. Prussien ça. Petit bouton 64e de ligne. Jamais vu, mais peut-être une petite cocarde. Plus américain que. Ouais non, les Américains ils sont pas comme ça, non. Ça c'est soit allemand, soit prussien. Oh, ah ça doit être un des deux. Une petite déco là ou quelque chose. Un petit cheval de plomb, nickel. Que le bouton, il y a un petit bouton qui traîne là. Petit bouton bombé, civil. Une petite boucle, bien sympa. Hop là, elle va être jolie celle-là. Avec l'ardillon. Encore un petit bouton de chasse. Premier empire, hein, on dirait. Magnifique morceau de croix là. Dommage, elle n'est pas entière. Mais elle est magnifique. Magnifique. Et pour la petite histoire, je peux raconter la petite histoire. Oui, la grande histoire ou la petite? Pour la petite. On va raconter la petite, sinon. Ouais, la petite histoire. Ben, on a mangé chez Topla aujourd'hui. Il m'a montré une de ses trouvailles et puis ben, c'était exactement cette croix là, mais entière quoi. Et puis ben, moi j'en fais une, ben, la même, la moitié quoi. Donc c'est cool. Attention, c'est tu l'as prise en photo. Chez toi, ouais, je l'ai prise en photo, je la mettrai à côté comme ça. Cool. Puis ben, la petite monnaie, hein, 5 centimes lindo. Ouais, c'est une petite lindo ça par rapport à la mienne. Hein. Ouais, t'as vu ça? Grave. Yes. Voilà. 10 francs, Giro. Les bons du commerce, j'en ai fait un 50 centimes, j'avais plus de batterie, j'ai pas filmé. Donc là on a de la Savo, hein, si t'en veux de la Savo, tiens. Tiens. La de finish. Un petit reste de Royal là. Peut-être des petits restes là. Nickel. Puis encore une petite Royal. Hop. Avec des petits restes aussi, on va les cuire. Et un petit billon. Tout cassé, tout mouillou. Tout foutu. Et tant pis, billon quand même, je prends. Ouais, il va être rien du tout. Hein. Il n'y a plus rien. Il y a quelques écritures en bas là. Petites écritures en bas. Ouais. Dommage. Allez, cool, petit compte rendu sympa. Merci les amis, hein, comme d'hab. Merci à toi. Ouais. Merci Topla. Merci Manu. Puis ben, bonne détec à tous. Ciao. Tu le gardes? Ouais. On a oublié les merdouilles. On a oublié les merdouilles, oui, Topla. Putain, j'oublie les merdouilles à chaque fois. Ouais. Regardez ça, putain. Voilà. Ah ouais, après, les gens ils croient que je fais que du lourd, mais. Il n'y a pas que du lourd. Il n'y a pas que du lourd, il y a du lourd en merdouille aussi. Papa. Ah ouais, là, ça fait au moins. Il y a 5 kilos. Tu vois, ça fait 5-6 kilos. Cool. 5 kilos. Belle dépollution, Topla. Merci à toi. A plus. A plus. Ciao.